Cher journal, aujourd'hui c'est mon premier jour d'université. Je dois t'avouer que j'ai un peu peur. Il se passe des choses bizarres dans le campus et dans la ville. Les gens ont souvent recours à des pratiques obscures pour atteindre leur objectif. Laisse-moi te raconter une histoire à propos. Tu sais que je me suis dit quand même que ça fait bien que nous puissions avoir ce moment-là seul pour un peu parler, se reposer. Tu vois, comment tu trouves le cadre? C'est quand même bien aussi. C'est vraiment bien. Oui, je crois bien. Ça fait longtemps avec nos différentes occupations. Là, on n'a même pas pu trouver un temps comme ça. Ben, on court dans tous les sens. Rester seul, discuter de ce qui peut nous arranger. On court dans tous les sinon, sens. Sinon, ça remonte de très longtemps. Oui, je crois bien. Depuis, pendant qu'on était en congé en France, là. Non, mais t'as pas oublié ça. Hein? C'était bon souvenir. En tout cas. Tu sais, ma chérie, je voudrais partager avec toi cette idée qui trottine derrière ma tête il y a longtemps. Tu sais, la clinique, elle est assez petite. Je voudrais que nous puissions agrandir la clinique, ajouter une unité d'ophtalmologie et puis de cardiologie, comme ça au moins, ça fera un peu que la clinique ait grandi et puis qu'il ait un peu plus de visibilité. Ça, quoi. Ça, c'est génial. Merci beaucoup. Mais vraiment, merci. Tu rêves. Hein. Mais il faut rêver. Mais tu sais, il faut rêver. Tu sais, mon inquiétude là, où est-ce que tu vas trouver le financement pour tout ça? C'est ça seulement. Oh, le financement, ça, c'est ce qui m'empêche de sommer. Et je sais que Dieu est grand. En tout cas. Et toi, Hadja à côté? Franchement, je crois que ça ira. Je suis devant mon Dieu. Je ça sais ira. Qu'il va nous exaucer. En tout cas, on a déjà eu. En tout cas, avec Dieu, tout est possible. En tout cas, on a déjà saisi par la foi. Ça va aller. Ouais, mais je t'ai dit que il est quelque part dit, quelqu'un disait, il n'est pas interdit de rêver. Il faut rêver. Ah, c'est sûr, tu vas réaliser ton rêve. Oui, en tout cas. Bonsoir. Oui, bonsoir. N'est-ce pas, ce n'est pas Diogo? Oui, c'est bien moi. Tu ne te rappelles pas de mon direct? Patrice Koyalta. Non. Ton ancien ne dis pas chef. Ça. Ton ancien chef de classe. C'est pas vrai, on chef. On était en terminale ensemble. Mais t'as disparu. Ah, c'est ça. Je suis allé, je suis revenu. Même, hein. T'as pas changé, on dirait. Mais comment je vais changer? Les temps sont mauvais et puis toi... Bon, il y a assez de difficultés. Ah. Mais j'oublie, ça c'est Hadja, mon épouse. Enchanté de faire votre modeste connaissance. Ouais, la seule qui me reste d'ailleurs. Ah. Et puis ça, c'est Patrice. Patrice Koyalta. Un collègue du lycée. Oui, oui. Ah, entre-temps. Entre-temps, oui. Entre-temps. Mais dis donc, t'es pas marié toi, hein? Bon, je me suis marié. Ah là, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Ben, donne-toi le plaisir, t'assois. Ah bon, non, merci, je vous remercie. Ah bon? Sinon, j'ai un rendez-vous avec un ami. Ah, il d'accord. Sûrement, il serait déjà là. Sinon, ça nous ferait plaisir. Je vais pas pour le rencontrer. Voilà. Mais n'empêche que je prenne ton contact, ouais, parce que je vais t'appeler. Ça, c'est vrai. C'est très important. Ben, écoute, je suis au 66. Oui, 66. 28. Ouais, 28. 19. 19. 08. 08. Mais tu me donnes aussi le tien? Ouais, le mien, sans problème. Ouais. Je suis au 66, 28, 26, 97. Ok, ça marche. Allez, Diogo. En tout cas. Enchanté. Patrice. Ah, madame, merci de faire votre modeste connaissance. C'est tout mon plaisir. Hein. Au plaisir. Allez. Je vais t'appeler. En tout cas, si tu ne le fais pas, en tout cas. Vraiment. Et tu, ça, c'est un collègue. Mais regarde comment il brille. Vraiment. Il est certainement de bonne main. Hein. En tout cas. Voilà, il brille bien. En tout cas, pendant que nous, on est en train de chercher à rêver. Ça va venir. Mais je crois. Ça, là, moi, comme nous l'avons dit. Hein. J'ai la conviction. Hein. En tout cas. Ça va venir. Tu te plais ici, non, le cadre? Non, c'est bon. Ah, oui, je n'ai jamais mis pied là. La fois dernière, tu as promis m'emmener. Oui, mais le temps nous manque. On n'a pas de temps. Mais en ville, là, il n'y a pas du temps. On court et puis... Oui, tout est vert par ici.
vieux chef. Comment vas-tu? Je vais très bien, chef. Et tes affaires? Bon, mes affaires prospèrent de mieux en mieux. Ça, c'est une bonne nouvelle. Sinon? Et sinon, j'ai rencontré hier soir un ancien ami qu'on a fait la terminale ici ensemble. Mais après, il avait opté pour la médecine. Donc, par le bien des choses, il a ouvert une clinique. Mais quand nous sommes retrouvés, il m'a énuméré quelques problèmes qu'il rencontre parce qu'il cherche à agrandir sa clinique. Et je lui ai proposé s'il peut aussi intégrer notre groupe. Donc, je suis venu pour vous partager ça. Et tu es sûr que c'est un bon élément? Chef, c'est un élément très dynamique parce que c'est quelqu'un qui a le leadership en lui-même. Il a des potentialités et s'il intègre le groupe, je vois qu'il n'y a pas d'inconvénient. En fait, si tu penses qu'il peut faire l'affaire, je ne vois pas le problème de l'intégrer dans le groupe. Mais la seule question que je me pose, est-ce que tu es vraiment sûr de le convaincre? Je peux le convaincre. Si vous donnez votre aval, parce que lorsque nous nous sommes retrouvés au niveau du restaurant, j'ai pris ses contacts. J'ai aussi ses contacts, il a les miens. Je peux l'appeler et prendre un rendez-vous et sûrement un jour nous viendrons pour rencontrer ici à la maison pour que vous puissiez l'écouter et le voir physiquement. Ça, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude, chef. Tu sais, Patrice. Oui, chef. Tu es un très bon élément. Merci, chef. Et tu sais aussi que je te fais beaucoup de confiance. Parce que quand tu me fais toujours des propositions, elles sont toujours les meilleures. Merci, chef. Pour l'instant, tu as ma parole et gère les choses comme tu peux. Le reste, j'assume la responsabilité. Oui, il s'appelle Diogo. Son nom, c'est Diogo. Il m'a donné son contact. Diogo. Je vais l'appeler souvent pour savoir si on peut se retrouver un jour et bien nous voir. Oui, bonjour Diogo. C'est votre frère, oui, c'est bien, Patrice. Oui, Patrice. Sinon, vous allez bien? Et la clinique? Ah, justement, c'est pour vous rappeler de ce que nous nous sommes dit la fois dernière. Si on peut prendre un rencard quelque part, se retrouver, venir voir mon chef, ça, il serait disponible de nous recevoir. Il suffit que vous me dites là, on va se retrouver. Ciao. Merci, merci Diogo. Mais tu n'as pas changé, hein, Diogo. Tu parles comme tu parlais. Oui, oui, c'est ça. Merci, merci, merci beaucoup. Merci. Chef, je l'ai appelé. Il est à la clinique, en train de s'occuper des malades. Mais sûrement et certainement, on a pris un rendez-vous déjà pour nous retrouver et venir vous voir. Pas de problème. Je vais aménager mon programme et je serai à votre disposition. Merci, chef. Merci, Patrice. Je suis dans une association de cadres. Oui. Et cette association travaille avec les organisations internationales. À chaque fois, nous demandons le financement pour les petits projets dans notre pays. Et ces gens-là n'hésitent pas de pouvoir financer. Et nous travaillons un peu aussi dans le cadre de la structure sociale, économique
notre pays. C'est vraiment tout mon problème. Comme je le disais tout à l'heure, oui, je cherche à agrandir ma clinique. Mais les moyens se posent à moi. J'ai demandé un crédit à la banque. Mais tellement que les intérêts sont élevés, j'ai dû renoncer à ce projet parce que je ne voudrais pas me faire ramasser, me retrouver dos au mur. Parce que les intérêts à la banque sont très... Donc j'ai dû renoncer à ce crédit-là. Maintenant, j'attends. C'est ça le système de nos jours. Hein. Je pense que notre cadre... je suis exactement dans cette association-là. Je m'occupe beaucoup plus de relations publiques. Mais à part cette association, tu fais quoi? Bon, je suis un homme d'affaires. J'essaie de faire traverser certaines marchandises, de faire le export-import dans ce pays. Donc, je pense que ton idée me paraît être la meilleure. Il suffit que tu t'adhères à cette association, je pense que... Ah bon? On peut financer. Mais tu me surprends? Non, on peut financer. Mais c'est l'occasion que j'attendais depuis. Mais nous avons fait ça pour beaucoup de gens ici. Le problème est que nous ne sommes pas retrouvés. Okay. Après les études, nous nous sommes séparés, chacun est allé de son côté. Donc, mais ça, maintenant, je pense que, comment il faut faire pour y aller? Ah non, ça, il n'y a pas de problème. Quoi? Qu'est-ce qui va pas? Je suis vraiment fatiguée. Tu sais, aujourd'hui, là, ouais, on a travaillé toute la journée pour boucler le rapport de fin de trimestre. Là. Ah bon? Ça fait que j'ai la tête chargée. Ouais, ça va aller. Les choses que j'ai notées, même, je n'arrive pas à retrouver. C'est pourquoi je suis en train de fouiller l'agenda. Mais ça va aller, en tout cas. Ça va aller. Mais tu sais, je voulais simplement te dire que j'ai rencontré Patrice, mon ami, là. Et nous avons très longtemps causé. Il me fait la proposition selon laquelle il va m'aider à réaliser mon rêve, celui d'agrandir, n'est-ce pas, le cabinet. C'est une bonne nouvelle, non? Ah bon? Ben oui. C'est vraiment bien, je suis contente. Ben oui. Mais comment il va t'aider? Ben, tu sais, il appartient... ils ont une organisation, donc je vais dire une association des cadres. Et cette association reçoit beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et ils se proposent, n'est-ce pas, d'informer les responsables de cette association pour qu'ils puissent me trouver un peu d'argent. Et cet argent nous permettra donc de réaliser notre rêve d'agrandir la clinique. Et ils reçoivent de l'argent de beaucoup d'organisations internationales. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Ah bon? Oui, oui. Et tu es sûr que ça va marcher? Qu'est-ce que tu veux, ma chérie? Moi, pour moi, c'est que nous puissions, n'est-ce pas, arriver, n'est-ce pas, au bout de notre rêve, celui d'agrandir, n'est-ce pas, notre clinique. Et il m'a dit, il va falloir que j'intègre, n'est-ce pas, leur association des cadres. C'est ce qu'il m'a dit. Oui, oui, oui. Ah bon? Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Et bon, je ne sais pas, mais... Mais comment il va te demander de t'adhérer avant d'avoir l'argent que tu... Oui, mais ma chérie, tu sais, c'est une association et c'est un principe associatif. Donc, il faut d'abord appartenir à l'association et alors bénéficier, n'est-ce pas, des intérêts ou alors des services de cette association. Chérie, oui, faut faire très attention. Il faut chercher à voir au clair avant de t'engager. Oui, je comprends. Ton Patrice, là, oui, il ne m'inspire pas confiance, hein. En tout cas, je ne l'aime pas. Ah bon? Il y a quelque chose en lui qui ne me plaît pas. Hé! Hey. Non. Mais là, tu me surprends, hein? Mais moi, en tout cas, tout cela, là, ce n'est pas mon problème. Comme tu le sais, mon objectif, c'est de réussir à agrandir, n'est-ce pas, la clinique. Mais les autres contours, là, moi, je te rassure que, bon, moi, mais je te... ça me concerne. Moi, pas, je ne dis pas le contraire. Oui. Seulement, ce que je veux que tu saches, il faut faire très attention. En tout cas. Avant de t'engager, il faut faire très attention parce que ces genres de groupes-là,
Moi, je commence par avoir des craintes. Hein. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, vous les femmes aussi. Vous les femmes, c'est une histoire d'aider. C'est une histoire, n'est-ce pas, de règlement associatif. Mais vous êtes très superstitieuses, vous les femmes. Non, mon chéri. Oui. C'est pas là le problème. Mm-hmm. Moi, j'aimerais juste que tu saches où mettre les pieds. Oui, c'est vrai. Et il faut vraiment que tu fasses attention parce que dans ce genre de groupe-là, tu ne connais même pas hein, le principe. Tu vas venir comme ça t'engager. Quelqu'un vient te demander d'adhérer dans un groupe sans que tu ne saches de quoi il s'agit. Hadja, tu sais, tu connais ton mari. Moi, je suis ce genre de personne qui ne se laisse pas vite aller. Mais je te promets, vraiment, je te promets sur la tête de nos enfants que je vais faire attention à moi-même. Je dis, non. Attends. Toi aussi, tu me connais, Hadja. En tout cas. Non, mais je ne vais pas me laisser comme ça. En tout cas, je te fais confiance, mais en tout cas, sache que il y a quand même quelque chose à prendre des précautions. Parce que, en ça, là, moi, franchement, je suis claire dessus. En tout cas, moi aussi, je suis nickel. Parce que maintenant, les gens sont dans des choses bizarres pour avoir d'argent, là. Ils vont te dorloter comme ça. Tu vas penser que ce n'est pas quelque chose qui va t'amener loin, mais quand tu seras dedans, là, ça serait vraiment tard. Ce qui est sûr pour moi, moi j'ai la tête sur mes épaules, comme on le dit. Je veux l'argent, agrandir ma clinique et puis être au diapason avec les autres Hadja. En tout cas, c'est ça. Je crois. Que Dieu t'entend. Oui, en tout cas, donne-moi de l'eau. Tu vois, j'arrive, tu ne me donnes pas de l'eau et puis tu commences à. Mais tu sais, quand tu m'as appris la nouvelle, ça m'a directement tiqué. J'ai perdu même. Hein? Bon, donne de l'eau, comme ça on va peut-être descendre un peu nos idées, nos inquiétudes, etc. Si c'est l'eau, là, je vais t'apporter. Vraiment, ma femme. Bonjour, chef. Bonjour. Asseyez-vous. Chef, c'est l'ami Dogo, dont je vous ai parlé la fois dernière. On a pris la nuit ce matin, comme ça nous sommes là. Donc, comme ça, vous voulez intégrer le groupe? Je crois que si la possibilité m'était donnée, en tout cas, je n'hésiterai pas. Parce que sinon, on va bien me d'accord. Bon, mon ami, je pense que vous allez faire l'entretien avec le chef. Et on se voit après. Ok, pas de soucis. Mon chef, vous donnez le temps. Vous savez que pour entrer dans ce groupe, il faut passer à l'initiation. Vous me l'apprenez, parce que c'est pour la première fois que je fais cette aventure, donc vous m'apprenez. De toutes les manières, moi je suis dans le besoin d'argent. Je suis dans le besoin d'argent et je crois que toute opportunité qui me conduirait, n'est-ce pas, vers l'argent, je crois que je n'hésiterai pas. C'est pas. Alors, vous êtes prêt pour l'initiation? Disons oui. On dit oui, chef. Oui, chef. Oui, chef. Parce que ici, le respect est mutuel. Mais surtout, la hiérarchie est très, très importante. D'accord. Et comme vous l'avez souligné tout à l'heure, si c'est une question d'argent, ne vous en faites pas. Ah bon? Vous l'aurez. Ah bon? Plus que vous avez demandé. Mais il y a une chose. Oui, laquelle? Il vous suffit juste de respecter les règles et vous soumettre à tous les principes de l'association. En tout cas, là, chef, ne vous en faites pas. Je crois qu'il n'y a pas de souci à cela. Pas de souci. D'accord. Bon, nous allons rejoindre les autres dans la chambre noire pour commencer l'initiation. Ok. Merci. Après vous. Merci.
Chef. Épervier. Unité. Épervier. Fraternité. Épervier. Ensemble pour toujours. Nous sommes heureux aujourd'hui d'avoir un nouveau parmi nous. Avant de procéder à la cérémonie, nous allons laisser la place à Patrice. Oui, chef. Pour commencer l'initiation. Togo. Oui, dis-nous-toi. Tu vas répéter après moi tout ce que je vais dire. Moi, Djogo. Moi, Djogo. Je promets. Je promets. De respecter les principes et les règlements de l'association. De respecter les principes et les règlements de l'association. Je promets. Je promets. De ne pas trahir l'association et de ne pas révéler à quelqu'un le secret de l'association. De ne pas trahir l'association et de ne pas révéler les secrets de l'association à quelqu'un. Je jure fidélité et soumission. Je jure fidélité et soumission. De ne pas trahir et je respecterai le chef de l'association. De ne pas trahir et je respecterai le chef de l'association. Moi, Djogo. Moi, Djogo. Sortez le coq. Écorche le coq maintenant.